juge a ordonné le placement des quatre enfants. Donc, des quatre petites, on va procéder ce soir. Les parents ont réagi, évidemment. Là, Je sais là, que j'ai des problèmes, mais ça veut pas dire que je suis une mauvaise mère. Dis ça! Ok, là! Galé, là, arrête, t'es dans la peine du monde, hein! C'est ça qu'elle veut! Elle veut mes enlever, là, pour me faire chier! Hey. Arrête, t'es énervé! Hey, ils ont le pouvoir, ils comprennent tout! Ils ont le pouvoir, partout! S'il faut me battre! Vraiment, dis, c'est un dépotoir pour jeunes, t'es des pigistes! Est-ce que tu considères, sur le plan clinique, que ces contacts-là sont positifs pour l'enfant et répondent à son intérêt? Pourquoi tu fais? Parce que je sais pas comment réagir pendant certaines situations, fait que je fais. C'est comme si je vais dans un trou plein de dévotion, puis quand que je sors, ça fait juste me sortir du trou, là. C'est pas d'abandonner. Au contraire, moi, je pense que c'est d'être capable de montrer que cet enfant-là, vous l'avez à cœur, puis vous souhaitez ce qui est le mieux pour lui. Puis vous reconnaissez que présentement, c'est pas chez vous. J'aimerais vraiment ça être votre intervenant à vous. Mais je suis l'intervenant de Nathan. Je suis là pour faire respecter ses droits à lui. Puis je suis là pour m'assurer que ses besoins soient répondus. Puis si c'est pas par vous, c'est par quelqu'un d'autre. Vous alliez rester dans une autre famille, OK? On est une famille d'accueil. Est-ce que tu sais c'est quoi une famille d'accueil, toi? J'étais en train de te repentir qu'est-ce qui se passait avec ma mère. Chez nous, là, ça commençait à être beau, ça avait tout commencé à avoir un petit peu d'allure dans la crise de vie. Mais non, là, on me dit que ma mère va se faire arrêter puis j'ai encore plus de chances d'être ici. C'est quoi, c'est juste fucking connerie là?